Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu sur votre chaîne, c'est moi, Tito Facile. Comme vous le savez, à partir du 20 août 2024, le gouvernement du Québec pose des gestes pour réduire l'immigration temporaire. À ce sujet, je vais faire une série de vidéos qui parlent de cette actualité. Qui est l'immigration des travailleurs étrangers temporaires. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo à partir de Radio Canada Info qui parle de ce sujet. Et après la fin de la vidéo, je vais vous donner un résumé de la vidéo. Bon visualisation. Merci. J'ai la responsabilité de réduire le nombre d'immigrants. Le gouvernement de François Legault dit faire sa part pour réduire le nombre d'immigrants temporaires sur son territoire, qui aurait bondi de 300 000 à 600 000 en deux ans. Aujourd'hui, on vient effectivement poser un geste à Montréal. Dès le 3 septembre, Québec imposera un moratoire sur toutes les demandes et les renouvellements sur l'île de Montréal en lien avec le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. La décision vise des employés recevant un salaire en deçà de 27,47 de l'heure. Les secteurs névralgiques de la santé, l'éducation, la construction, l'agriculture et la transformation alimentaire sont exclus. Ça devrait nous permettre de retirer 3 500 personnes à Montréal sur les six prochains mois. La ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, demande aux employeurs de Montréal de trouver leur main-d'oeuvre localement. Beaucoup de recrutement à l'international qui est fait par des employeurs de Montréal. Donc il faut que ça change ça. Une annonce qui ne tient pas la route selon cette avocate spécialisée en immigration. Les gens qui vont à l'international, c'est parce que localement ils ne trouvent pas. Et il n'y a pas. Un... C'est des coûts d'aller recruter à l'international. On dit à ces entreprises-là débrouillez-vous, trouvez quelqu'un dans quelques semaines. Là, vous... Il y a un bassin potentiel de travailleurs pour venir rencontrer les défis ou les besoins des entreprises. Mais encore faut-il que ces gens aient les compétences et la formation nécessaire. Le gouvernement du Québec déposera cet automne un projet de loi lui donnant les pouvoirs de limiter le nombre d'étudiants étrangers dans certains établissements d'enseignement. Ici Gabriel Prou, Radio Canada, Montréal. Et voilà le résumé de la vidéo. Québec pose des gestes pour réduire l'immigration temporaire. Le gouvernement du Québec a annoncé des mesures pour réduire le nombre d'immigrants temporaires sur son territoire qui aurait bondé de 300 000 à 600 000 en deux ans. Dès le 3 septembre, Québec imposera un moratoire sur toutes les demandes et le renouvellement de permis de travail temporaire à Montréal. Sauf pour les secteurs de la santé, de l'éducation, de la construction, de l'agriculture et de la transformation alimentaire. Cette décision vise à retirer 3500 travailleurs temporaires de Montréal au cours du six mois. Prochain mois, cependant, l'opposition et les experts critiquent cette misère affirmant que les employeurs recourent à ces travailleurs temporaires faute de main d'œuvre locale disponible et formée. Le gouvernement prévoit également déposer un projet de loi pour limiter le nombre d'étudiants étrangers dans certains établissements d'enseignement. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. En attendant une autre vidéo, pour la série des vidéos concernant le moratoire pour les travailleurs étrangers temporaires, je vous souhaite une bonne journée. Merci et au revoir.